Oui, Père de gloire, c'est le moment favorable pour parler à ton peuple. La Bible nous dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Père de gloire, en ce jour de Pentecôte, que ton Esprit Saint descende en ce lieu. Nous voulons voir ton Esprit Saint à l'œuvre, comme tu as commencé avec nous dans l'Esprit Père. Que cette prédication soit conduite par ton Esprit Saint. Utilise ton serviteur Père que tu t'es choisi ce matin. Tout de toi, rien de tout. Et que cette parole, Père, produise les fruits de l'Esprit dans la vie de tes enfants. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta présence. À toi la gloire, à nous la paix et la joie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. Applaudissez le Seigneur. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est avec nous. Nous l'avons vécu depuis le début de ce culte. Applaudissez le Seigneur. Vous allez écouter sa parole. La chorale chauffée, on dansera aujourd'hui. C'est la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur a une parole pour toi et moi ce matin. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 17, du premier verset au verset 8. Après, nous irons dans Galates, chapitre 5, du verset 22 au verset 25. Nous lirons dans Actes 2, du premier verset au verset 21. Nous lirons les versets essentiel. Et nous allons clôturer dans Jean chapitre 4 du verset 23 au verset 24. Nous allons lire dans Genèse chapitre 17 du premier verset au verset 8. La Bible nous dit: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur la face et Dieu lui parla en disant: « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen, amen. Le Seigneur a une parole pour toi et moi ce matin. En ce jour de la Pentecôte, vous savez, nous vivons les moments importants dans la vie chrétienne. Nous avions vécu la Pâque et aujourd'hui c'est la Pentecôte. Ce sont des jours très importants dans la vie chrétienne et nous devons le retenir. Le thème de ce matin, c'est « Marche avec Dieu selon l'Esprit ». Alléluia! Marche avec Dieu selon l'Esprit. Nous allons rappeler
la retraite que nous avons partagé ensemble, bien que c'était une retraite plus à la maison, mais nous étions tous en communion dans la prière. Nous avions fait une veillée de prière le jeudi, et puis nous avons continué notre retraite, chacun à domicile, et aujourd'hui nous allons clôturer cette retraite de la Pentecôte. Nous allons rappeler la retraite de Pâques. Pourquoi? Parce que c'est des moments importants dans la vie des chrétiens. Nous avons la Pâque avec le sacrifice de notre Seigneur qui nous a permis d'être rachetés, qui nous a donné de la valeur au devant de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous animer désormais. C'est l'Esprit de Dieu qui doit être en nous. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce matin, marche avec moi selon l'Esprit. Amen. Hein? Amen. Pour la retraite de Pâques, nous avions partagé sur le thème de la création. Nous avions vu que par l'histoire d'Adam et Ève, dans Genèse 1 et 2, l'héritage précède l'héritier. Le Seigneur avait déjà créé la nature, les animaux, et puis après, il a créé Adam. Et ce n'est que par la suite qu'il va créer Ève en utilisant la côte d'Adam. Et nous avions vu que la femme représentait le produit fini de la création. C'est pourquoi la femme doit être protégée. La femme doit être jolie. C'est très important, hein, les papas, que nos femmes brillent. C'est très important de surveiller comment maman est habillée le matin avant de sortir. Je vais vous faire un aveu. Moi, quand nous étions dans l'église avant, que nous soyons aujourd'hui à l'ESSEC, quand le Seigneur nous avait dit, vous ne partez plus. Alors, la maman continue à partir. Vous savez, les mamans aiment bien, c'est comme ça. C'est les femmes qui avaient vu d'abord que Jésus-Christ avait ressuscité. Alors, la maman continuait de partir. Et moi, le matin, chaque matin, chaque dimanche matin, je disais toujours à maman, avant de partir, il faut que je voie comment tu es habillée. Même si je dormais, j'ouvrais un seul œil, je regardais. Tu es bien habillée? Ok, là tu peux partir. Mais si je vois que ça ne va pas, je dis non, il faut que tu changes. Alléluia! La confiance n'exclut pas le contrôle. Amen! Hein? Parce que la femme est un produit fini. Il faut qu'elle brille. C'est très important. Et nous avions vu durant cette retraite que dans la création, il y a cinq dimensions. La cinquième dimension étant la dimension de l'esprit. Et le Seigneur nous demande de le servir dans la dimension de l'esprit, de quitter toutes les autres dimensions qui sont la dimension de la chair. Et le Seigneur nous avait parlé de cette dimension, comment accéder à cette cinquième dimension qui est la dimension de l'esprit, c'était en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est par là que nous devenions une nouvelle créature, comme Jésus l'avait dit dans Jean 3, au verset 3. Nul ne pourra accéder au royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. C'est très important. Nous allons rappeler notre retraite de la Pentecôte. Nous avons partagé sur la marche de Dieu avec l'homme. Et c'est l'histoire d'Abraham qui nous a permis de partager le sujet de cette retraite. Le Seigneur nous a montré comment il avait choisi Abraham. Dieu avait appelé Abraham. Il lui a dit, quitte ton pays, le pays de ton père, et va là où je vais te montrer. Abraham n'a pas discuté. Il a quitté son pays. Et le Seigneur nous dit à toi et moi, tout commence par son appel. Quand Dieu t'appelle,
tu dois quitter le monde. Il ne faut pas résister. Si tu sens l'appel de Dieu, si Dieu t'appelle à le servir, tu dois quitter le monde. Comme Abraham avait quitté le pays de son père, il avait des frères, il avait des sœurs, il avait tout ce qu'on peut avoir dans son pays. Mais il n'a pas discuté. Il a quitté, il est parti. Voilà comment, au travers de l'histoire d'Abraham, nous voyons comment il faut marcher avec Dieu. Et Abraham a eu plusieurs épreuves. À un moment donné, il devait se séparer de son neveu. Il aimait bien son neveu. Il avait pris son neveu. Mais Dieu ne lui avait pas demandé de prendre son neveu. Alors, en cours de route, il y a eu des disputes et Abraham avait compris qu'il fallait se séparer de son neveu. Mettez-vous à la place d'Abraham. Ça a dû être aussi difficile pour Abraham de se séparer de son neveu. Mais comme il avait réalisé que c'est lui qui avait la mission et que Dieu voulait faire quelque chose avec lui, alors il avait compris qu'il devait se séparer de l'autre. Voilà comment le Seigneur nous enseigne dans la marche avec Dieu. Nous aurons des moments de difficulté, des moments où nous allons nous dire, mais j'ai l'habitude de faire ça, j'ai l'habitude d'être ceci, mais aujourd'hui le Seigneur me demande de changer, d'abandonner mes vieilles habitudes. Et de fois, le Seigneur va te demander de te séparer, même des membres de ta famille. Ça a été difficile pour Abraham. Mais Abraham n'avait pas discuté. Voilà comment Abraham a marché avec Dieu. Et le Seigneur lui a dit, nous avons lu dans le chapitre 17, que je vais établir une alliance avec toi. Voilà, cette alliance sera perpétuelle, même sur tes descendants. Le Seigneur te dit ce matin, tu ne peux pas le servir si tu n'as pas établi une alliance avec lui. C'est très important, mes frères et sœurs. Nous devons établir une alliance avec Dieu. Quand Dieu t'appelle, quand tu marches avec Dieu, tu dois quitter le monde. Et quand tu quittes le monde, tu dois établir une alliance avec Dieu. Et cette alliance, ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas dès le premier jour. Abraham, quand il avait été appelé par Dieu, il avait 75 ans. Et au chapitre 17, la Bible nous dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, donc il s'est écoulé 24 ans pour que Dieu puisse dire à Abraham, maintenant, je vais établir une alliance avec toi. Nous, quand nous commençons à servir Dieu, on veut tout de suite être des serviteurs ou des servantes avec des onctions particulières. Cette onction-là, tu ne l'auras que si tu as établi une alliance avec Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il t'a appelé. Il t'a demandé de quitter le monde. Est-ce que tu as quitté le monde? Regardez Abraham qui a quitté son pays. Mais Dieu n'a pas avant de dire, maintenant je vais établir mon alliance. Le Seigneur marche avec les consacrés. Nous devons réaliser que les choses ne se font pas du tic au tac. Ça se fait progressivement. Parce que le Seigneur doit te façonner pour que tu sois comme Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. Si le Seigneur te demande de lâcher le lot qui est à côté de toi, si c'est ton frère, si c'est ta soeur, si c'est ton neveu, est-ce que tu le feras? Est-ce que tu le feras facilement? Abraham aussi a dû résister. Mais il avait compris que c'était le moment où il fallait se séparer de Lot. Et voilà comment le Seigneur était en train de préparer Abraham jusqu'au moment où il a senti que Abraham était qualifié. Et c'est à partir de là qu'il a dit, bon, maintenant, tu es qualifié,
je peux sceller mon alliance avec toi. Alléluia. Et nous aujourd'hui, notre alliance, c'est quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça notre alliance avec Dieu. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ devient le chef de notre vie. Nous dépendons maintenant de Jésus-Christ. Et c'est là que le Seigneur va injecter ton esprit, son esprit en nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Le Seigneur voudrait que nous puissions le servir dans l'esprit, selon l'esprit. C'est très important. Nous avons vu et nous verrons plus tard que les apôtres, après le départ de Jésus-Christ, ils étaient tous dans une même chambre, dans la chambre haute. Ils avaient peur de sortir. Ils attendaient le Consolateur. Ils priaient entre eux. Ils ne pouvaient pas affronter l'adversité à l'extérieur. Jésus-Christ leur avait dit, vous allez être haïs. Parce que vous êtes mes disciples, vous serez haïs. Alors ils avaient peur. C'est comme ça qu'ils sont restés dans la chambre haute. Alors le Seigneur voudrait que toi et moi, nous puissions réaliser que c'est son Esprit Saint qui fait que nous puissions le servir. C'est son Esprit Saint qui fait que nous soyons les enfants de Dieu, que nous puissions témoigner de la présence de Dieu dans notre vie. C'est la raison pour laquelle nous devons sceller cette alliance avec Dieu. Et nous avons vu qu'Abraham, après avoir scellé cette alliance, il a eu d'autres épreuves. Le Seigneur avait mis sa foi en épreuve en lui demandant de sacrifier son fils unique, Isaac. Et cette histoire, nous l'avons partagée durant la retraite. Comment le Seigneur avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Abraham n'avait pas discuté. Il a pris son fils. Mais au fond de lui, nous pouvons dire qu'il avait la foi. Il savait que le Seigneur, lui qui lui a donné cet enfant, alors qu'il était très âgé, comment le Seigneur pouvait encore lui prendre cet enfant? Il avait la foi en Dieu. Il avait une confiance en Dieu. Et il était obéissant. Et le Seigneur n'a pas changé. Au dernier minute, quand Abraham avait levé la main pour tuer son fils, l'ange lui a dit, Abraham, ne tue pas cet enfant. Regarde, il y a une brebis quelque part. C'est elle que tu vas sacrifier à ton Dieu. Voilà notre Seigneur. Lui, il s'élève toujours à la dernière minute. Quand nos pensées sont arrivées à la fin, c'est à ce moment-là que lui commence à agir. Alléluia. Voilà comment Abraham a marché avec Dieu. Et Dieu lui a dit, tu dois marcher dans l'intégrité. Alors, la marche avec Dieu dépend de l'appel que nous avons. Si tu n'es pas appelé, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu seras un serviteur, quelconque. Sachez que le Seigneur peut aussi utiliser les païens. Dans la Bible, le Seigneur a utilisé aussi des rois perses pour sa gloire. Parce que c'est lui qui a toute autorité sur toute chose. C'est comme ça que vous pouvez voir des serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs, mais au fond d'eux, ils n'ont pas eu l'appel. Mais le Seigneur peut les utiliser aussi. Donc tout part de l'appel de Dieu. Et quand Dieu t'appelle, Dieu va te demander aussi de sceller une alliance avec lui. Et cette alliance, nous l'avons scellée quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est à partir de cette alliance que le Seigneur va injecter son esprit en toi et moi. Et c'est cet esprit-là qui va commencer à crucifier la chair. Et c'est cet esprit-là qui va produire les fruits de l'esprit dans
nos vies. C'est très important, mes frères et sœurs, de réaliser comment nous devons marcher avec Dieu. Le Seigneur nous dit, marchez avec moi selon l'Esprit. Nous allons lire dans Galates, au chapitre 5. La Bible nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Au verset 24, la Bible nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen, hein? La Bible est claire là-dessus. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair. Mais comment tu vas crucifier la chair? Des fois, c'est difficile. Parce qu'on a eu les habitudes dans la vie. On a eu l'habitude de marcher selon ses désirs, selon les désirs de la chair. Et la Bible nous dit, la chair et l'esprit ont des désirs opposés. Tu ne peux pas servir Dieu si tu restes dans la dimension de la chair. Tu ne peux pas servir Dieu. Pour servir Dieu, il faut entrer dans la dimension de l'esprit. Et pour entrer dans cette dimension, il faut sceller une alliance avec Dieu. C'est pourquoi recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le départ, c'est le point de départ de la vie chrétienne. C'est le point de départ de toute marche avec Dieu. Parce que quand vous scellez cette alliance, désormais, Dieu va commencer à injecter son esprit en vous. Et vous allez voir, les œuvres de la chair vont commencer à tomber. Et les gens vont commencer à s'étonner, à dire, mais c'est toujours la même personne? Est-ce que c'est elle qu'on a connue il y a un an, il y a deux ans? Dès que tu lui disais un mot, ça partait, comme disent les Français, dans tous les sens. Mais aujourd'hui, si vous exprimez une maîtrise de soi, même quand on vous provoque, c'est lui qui vient vous provoquer, c'est le tourmenteur. Il veut vous tourmenter. Mais quand vous ne répondez pas, vous avez la maîtrise de soi. En ce moment-là, le tourmenteur est tourmenté. Parce qu'il s'attendait à ce que vous puissiez réagir. Mais il va être étonné. Vous ne réagissez pas. Il va encore attaquer. Et vous allez rire, vous allez dire, tu ne me connais pas. Le Saint-Esprit m'a transformé. Amen. Hein? Le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte, c'est l'Esprit qui doit transformer nos vies. Et le Seigneur voudrait que nous puissions le servir selon l'Esprit et non selon la chair. C'est très important, mes frères et sœurs, de réaliser que le Seigneur attend de toi et moi de le servir selon l'Esprit. Il faut qu'il y ait une différence. Le Seigneur a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes servante de Dieu. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut crucifier la chair. Comme Jésus-Christ avait crucifié les péchés sur la croix. Toi aussi, le Seigneur te demande de crucifier la chair. Toutes les œuvres de la chair. Toutes les œuvres mortes. La Bible les énumère. Toujours au chapitre 5, au verset 19, la Bible les énumère. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table
et les choses semblables. Il y en a beaucoup, etc., etc. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit va vous dire, non, ça c'est la chair, il faut crucifier. C'est comme ça qu'il faut marcher. C'est ça la vie chrétienne. C'est la marche avec Dieu. Il n'y a pas une autre façon de servir Dieu que de marcher avec lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit ce matin, marche avec moi selon l'Esprit. Nous devons marcher avec notre Seigneur selon l'Esprit. Et ceux qui marchent avec Dieu selon l'Esprit, ce sont ceux qui ont les fruits de l'Esprit en eux. Parce que l'Esprit Saint va produire les fruits. Et les gens vont voir la différence. Tu as changé. Et vous allez devenir une créature. Ce n'est pas seulement pour la fierté. Ce n'est pas seulement parce qu'on veut se faire voir. Mais ce sont les fruits de l'Esprit. La Bible nous l'enseigne. Ce sont les fruits de l'Esprit. Il faut que les gens disent, oui, cette sœur-là, elle a changé. Ce frère-là, il a changé. Parce que l'Esprit Saint habite en lui. C'est très important. Nous allons continuer la lecture dans Actes, au chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 21. Mais nous allons prendre les versets importants. Actes, chapitre 2. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On va s'arrêter là pour le moment. Voilà comment les disciples, quand Jésus-Christ est parti, quand Jésus-Christ est rentré auprès de son Père, ils étaient tristes. Le Seigneur leur avait donné une mission. Il a dit, vous ferez de toutes les nations, des disciples. Dans Matthieu 28, dans Matthieu 28 et dans Marc 16, la mission que le Seigneur a donnée à ses apôtres, le Seigneur nous en avait parlé le dimanche dernier. Faites de toutes les nations mes disciples. Mais il leur avait mis en garde, il leur a dit, ils vont vous haïr. Ils vont vous haïr. Alors ils avaient peur. Ils se sont retrouvés tous dans la chambre haute, ensemble, en train d'intercéder. Personne n'avait le courage de sortir. Personne n'avait le courage de sortir. Ils étaient tous ensemble. Là où il y a l'unité, c'est là où le Seigneur va agir. Comme dans sa parole, il dit, là où un ou deux sont réunis en mon nom, c'est là où je déverse des bénédictions. Voilà comment ils étaient ensemble, unis. Ils avaient peur, mais ils étaient ensemble. Et ils attendaient le Consolateur. C'est lui qui devait les consoler. Et au verset 4, la Bible nous dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc ils avaient tous peur. Ils étaient ensemble depuis le départ de Jésus. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur chacun des disciples. Et voilà que tout d'un coup, ils avaient le courage d'affronter l'extérieur. Ils ont commencé à parler dans des langues qu'ils ne comprenaient peut-être pas eux-mêmes. Mais c'est l'Esprit Saint qui parlait en eux. C'est l'Esprit Saint
qui les avait animés. Voilà le travail du Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas remplir la mission. Mais quand ils ont reçu l'Esprit Saint leur a communiqué le courage. Et maintenant, ils sont sortis. Ils pouvaient affronter. C'est ça, la timidité, même dans la vie. La timidité, c'est démoniaque. Il faut toujours chasser les démons de la timidité. Alléluia. Il faut les chasser dans les lieux arides parce qu'ils nous empêchent de servir Dieu. Et le Seigneur, avec son Esprit Saint, il a libéré les disciples. Les disciples ont eu un courage qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est les mêmes personnes. Hein? C'est les mêmes personnes. Mais qu'est-ce qui a fait que avant l'arrivée du Saint-Esprit, ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas remplir la mission. Mais une fois que le Saint-Esprit est arrivé, ils ont eu le courage et ils ont commencé à parler dans des langues. Donc ils ont commencé à faire... Ils vont nous haïr. Ils vont nous critiquer. Mais c'est l'Esprit Saint qui va nous donner le courage de les affronter. Parce que nous sommes dans la justice de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit a une importance capitale dans la marche avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Tu peux faire semblant. Tu peux faire semblant. Mais le Seigneur, pour agir en nous, il faut qu'il y ait son Esprit Saint. C'est pourquoi il faut laisser la place dans nos cœurs à l'Esprit de Dieu. C'est très important. Si tu sais que tu as encore les œuvres de la chair qui combattent l'Esprit Saint en toi, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va nous conduire vers le salut. C'est pourquoi le Seigneur avait promis à ses disciples l'Esprit Saint. Il savait, sans l'Esprit Saint, ils ne feront rien. Ils vont faire seulement leur prière et intercession entre eux, c'est tout. Mais il fallait qu'il y ait l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui leur a donné le courage de sortir, de parler au-devant des autres et d'évangéliser. Ils ont commencé à évangéliser. Pierre a eu le courage d'interpeller le peuple de Jérusalem. Quand vous lisez par la suite, vous allez voir comment Pierre a commencé à interpeller le peuple de Jérusalem. Il leur a dit, mais ces gens, ils ne sont pas ivres. C'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est lui qui est en train de faire tout ce que vous voyez là. Et ils ont commencé leur mission d'évangélisation. Alléluia. Amen. Voilà comment le Seigneur nous demande de le servir selon l'Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Ce n'est pas possible. Nous allons passer au verset 17. La Bible nous dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de parler aux disciples.
C'est qui les disciples? C'est toi et moi aujourd'hui. Le Seigneur dit, vers la fin des temps, je répandrai de mon esprit et les serviteurs et servantes de Dieu prophétiseront. Le Seigneur dit qu'il répandra de son esprit vers la fin des temps. C'est ça notre mission, c'est préparer la fin des temps. C'est la mission que le Seigneur a donnée à cette église et c'est de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement, à la fin des temps. Et l'Esprit de Dieu sera répandu sur les hommes et les femmes de tout âge, ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Ceux-là, ils auront l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur leur parlera par des visions, par des songes. Ils prophétiseront de la part du Seigneur. Et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et la Bible nous dit, au verset 21, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais ce nom-là de l'Éternel, il faut l'invoquer en esprit et en vérité. Ce n'est pas seulement une invocation à la bouche. Maintenant, il y a plusieurs serviteurs à Kinshasa qui sont connus maintenant. Leurs noms ont été cités. Comme quoi, on sait qu'ils ne servent pas Dieu. Il y a maintenant des listes. On connaît qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu. Ce n'est pas parce que dans une église, on cite le nom de Jésus-Christ que forcément, ils servent Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous avait mis en garde contre les séducteurs. Ils sont nombreux. Ceux qui mettent des miracles au-devant de la parole de Dieu, ils sont nombreux. Maintenant, il y a des listes à Kinshasa qui circulent. On sait que chez tel pasteur, il ne faut pas aller. Parce que là-bas, on a vu ça et ça. Il y a même un serviteur qui passe de plateau télé en plateau télé pour expliquer que tel, on a cité son nom, donc faites attention, et ainsi de suite. C'est lui qui sera sauvé. C'est lui qui va invoquer le nom de notre Seigneur. Il doit l'invoquer en esprit et en vérité. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 4. Nous allons lire dans Jean 4, du verset 23 au verset 24, la Bible nous dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Amen, hein? La Bible est claire. L'heure est venue et elle est déjà venue. Nous sommes à l'heure où nous devons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Quand la Bible nous le recommande, la Bible ne dit pas que nous allons passer toutes nos journées à adorer Dieu en vérité et en esprit. Et quand est-ce que vous irez travailler? Si on doit louer, déjà on commence à regarder nos montres. À 13h, il faut qu'on dégage. Alors comment nous allons continuer à adorer tout le temps? Le Seigneur voudrait nous dire que nous devons le servir en esprit et en vérité. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. En ce jour de la Pentecôte, mon frère et ma soeur, nous devons réaliser que nous devons servir Dieu. Nous devons marcher avec Dieu selon l'Esprit. Et nous devons crucifier les œuvres de la chair. Parce que ce sont ces œuvres-là qui nous empêchent de servir Dieu.
ce sont ces œuvres-là. Si nous ne faisons pas attention, ils nous empêcheront aussi d'accéder au royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur attire notre attention ce matin. Il nous dit, marchez avec moi selon l'esprit. Nous devons marcher avec Dieu selon l'esprit et non selon la chair. En ce jour de la Pentecôte, le Seigneur nous montre au travers de ce récit avec les disciples que sans Esprit Saint, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que la chair va venir, nous te t'accompagnerons. Quand nous aurons l'Esprit de Dieu, quand nous aurons cet Esprit, c'est cet Esprit-là qui va nous conduire. C'est cet Esprit-là qui va réaliser des prodiges en nous, comme le Seigneur a dit. Quand nous allons prier pour les malades vont être guéris. Quand il y aura des sorciers, nous allons les délivrer de ces démons. Ce n'est pas son Esprit Saint. Alors, en psaume 23, David nous dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, le bonheur et la grâce de Dieu vont t'accompagner partout. Parce que tu as son Esprit avec toi. Tu auras la paix. Tu auras tout le temps la joie. Il y a des gens qui sont joyeux tout le temps. Et ça étonne. On dit, ah, mais pourquoi lui, il est toujours joyeux tout le temps? Il ne connaît jamais les problèmes. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Il a la joie. Il a la paix. Il peut manquer. Il peut souffrir. Mais il sait que j'ai l'Esprit de Dieu avec moi. Il ne sera pas tourmenté par les problèmes de la vie. C'est ça l'Esprit de Dieu. Et le bonheur, la grâce, nous accompagneront. Et la Bible nous dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comment tu vas habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi l'Éternel te dit ce matin, marche avec moi et marche selon l'Esprit. Marcher avec Dieu, ce n'est pas seulement à l'église, c'est aussi dans la vie, tout simplement. Ça commence par la maison. Et ce témoignage doit vous accompagner même dans les milieux de travail. Il faut que tes collègues sentent qu'il y a une différence entre toi qui prie ton Dieu et tu dois être fier de prier ton Dieu. Tu dois être fier, il ne faut pas cacher. C'est vrai, il ne faut pas faire du prosélytisme, mais il ne faut pas cacher que vous êtes chrétien. Le Seigneur va te remplir de son Esprit Saint. Et que cet Esprit Saint agisse en toi. Que cet Esprit Saint te conduise dans ta marche avec Dieu. Afin que tu puisses crucifier toutes les œuvres de la chair. Afin que tu puisses servir ton Dieu selon l'Esprit. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et maintenant, nous allons prier. Selon l'Esprit, que tu sois parmi les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Prions, mon frère et ma soeur. Dieu te
beauté de ton Saint-Nom. Guéris tes enfants,
Ceux qui ont besoin de la guérison en ce moment, Père. Conformément à ta parole, tu as dit vous serez guéris par mes mêmes fissures. Qu'il en soit ainsi pour tes enfants. Père de gloire, ceux qui ont besoin de ton soutien, ceux qui traversent diverses épreuves, ceux qui sont dans des difficultés diverses, ils ont besoin de ton soutien. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Père, tu connais les problèmes de chacun de nous ici présents. Donne la paix et la joie dans nos maisons, Père. Que ton Esprit Saint soit au milieu de nous. Et que ton Esprit Saint nous conduise dans l'unité. Que ton Esprit Saint conduise ton Église. L'Église est sec. Partout elle est plantée, Père, conformément à ta volonté. Que cette Église soit conduite par ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu feras dans nos vies. Merci pour toutes les bénédictions sur tes enfants, au-delà de ce que nous t'avons demandé. Parce que tu es le Dieu souverain. Merci pour les bénédictions. Merci pour la protection. Nous scellons nos vies dans le sang de Jésus-Christ. Combat pour tes enfants, les combats visibles et invisibles. Et donne la victoire à tes enfants. Merci Père de gloire pour ta présence dans nos vies. Merci Père pour ton amour. Merci pour la protection. Et nous nous élevons contre tous les mondes de poursuite dans la vie de chacun de nous. Merci pour les bénédictions à tous égards. Merci pour ton Esprit Saint. À toi la gloire. À nous la paix et la joie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Applaudissez le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen.
parmi nous. L'Église voudrait savoir votre nom et comment vous nous avez connus. Mon nom c'est Sœur Anna. Oui, maman. Mon nom c'est Maman Anna. Maman Ariel. Anna. Maman Anna. Oui. Ah, gloire à Dieu. Je viens de Londres. Vous venez de Londres, gloire à Dieu. Notre sœur vient de Londres. Je suis venue avec Sœur Fifi. Ah, d'accord. Vous êtes venue avec. Avec Fifi. Ah, avec notre sœur Fifi. Oui, oui. Applaudissez le Seigneur pour notre sœur. Ma sœur, nous sommes l'église ESSEC. L'église ESSEC, c'est une église chrétienne évangélique au Congo. Au Congo, parce que l'église a commencé au Congo. Mais elle va s'implanter partout où le Seigneur voudra, dans sa volonté. Et notre pasteur responsable, c'est le pasteur Cosma, qui a eu des moments de partager avec nous ici. Et peut-être si le Seigneur le permet, il pourra être avec nous. Et notre siège se trouve à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour ceux qui connaissent Kinshasa. C'est au jardin botanique. Donc les cultes, c'est tous les matins de 9h à 12h. Si vous avez la famille, les amis à Kinshasa, vous pouvez leur indiquer les lieux de culte. S'ils cherchent où aller prier, ils pourront aller prier avec nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa. Quant à nous, nous sommes ESSEC Paris, donc nous sommes la paroisse de Paris. Nous nous réunissons jusqu'à nouvel ordre dans cette salle, tous les dimanches de 10h à 12h30. En tout cas, quand vous rentrez chez vous, saluez votre famille, les serviteurs et servantes de Dieu qui sont avec vous. Et la prochaine fois, si vous êtes parmi nous, nous vous accueillerons toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Applaudissez le Seigneur. Nous allons enchaîner sur le bus 609 ou 610. Et l'arrêt, c'est arrêt Pablo Neruda. Donc le dimanche prochain, nous allons revenir sur ce communiqué. C'est au Blanc-Ménil, RERB. RERB, c'est à partir de la gare du Nord. Voilà le communiqué le plus important. Nous pouvons inviter les membres de nos familles, les amis. C'est une place avec des parkings. On n'aura plus à nous casser la tête pour trouver des places de parking. Et surtout, on n'a pas le voisinage proche où les gens nous font la pression comme ici. Par rapport à notre façon de louer. Je vous assure que là-bas, il y a plusieurs églises et nous avons pu faire l'expérience d'entrer dans d'autres salles pour voir comment les autres louaient le Seigneur. Je vous assure, nous, c'est encore rien en termes de bruit. Donc, le Seigneur nous permet un petit peu de souffler parce que nous avions reçu beaucoup de revendications de la part du propriétaire par rapport au voisinage. Donc le premier dimanche du mois de juin, nous irons tous au Blanc-Ménil. Alors ceux qui ont des uniformes pourront porter les uniformes ce jour-là. N'oubliez pas les uniformes, ce sont des habits consacrés. Donc le Seigneur voudrait, ceux qui ont des uniformes ce jour-là, que nous puissions être en uniforme. Parce que nous allons célébrer le premier culte dans cette salle. Voilà, le dimanche prochain, nous allons revenir sur ce communiqué. Alors, je profitais aussi de cette occasion pour dire aux membres de l'Église, vous voyez que notre chorale est en train de... Les enfants sont une bénédiction venant de toi.
de gloire, je te recommande Mathias. C'est ta créature, Père. Comme tu as créé tous les hommes à ton image. En ce jour de Pentecôte, Père, cet enfant a besoin de ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint soit sur Mathias, Père. Comme tu nous as donné en ce jour de Pentecôte à chacun de nous. Ton Esprit Saint. Garde cet enfant fidèle à toi. Et cette séance, Père, germe dans la vie de cet enfant. Afin qu'il soit utile à la société, qu'il soit utile à sa famille et qu'il soit utile à ton Église. Père de gloire, garde cet enfant, protège-le, combat pour lui le combat visible et invisible. Donne-lui la santé, Père. Nous te recommandons aussi ses parents, Père. Bénis ses parents. Afin que cet enfant soit béni au travers de ses parents. Et protège ses parents. Afin qu'il puisse l'élever toujours conformément à ta parole. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la protection des parents. Merci pour la protection de cet enfant. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sanctifie-les au nom puissant de Jésus-Christ et bénis tes enfants qui ont donné leurs offrandes dignes et libéralité, Père. Ouvre pour eux les écluses du ciel afin qu'ils puissent témoigner de ta main. Et nous libérons les finances de cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu retourner ce matin afin qu'ils puissent te bénir la prochaine fois. Père de gloire, merci pour ta présence en ce dimanche de Pentecôte. Toi qui as commencé avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, et toi qui termines avec nous comme Oméga. Père de gloire, bénis tes enfants à tous égards. Protège-les. Nous scellons la vie de chacun de nous dans le sang de Jésus-Christ. Père de gloire, combat pour tes enfants, le combat visible et invisible. Accompagne tes enfants quand ils vont prendre le chemin de retour. Que ton sang les couvre, que ton sang couvre tous les moyens de transport. Donne la paix et la joie dans nos maisons, Père. Et nous te recommandons, Père, ce lieu de culte au Blanc-Ménil. Précède-nous, Père, parce que c'est le lieu où désormais nous glorifierons ton Saint-Nom. Merci, Père, pour ta présence dans nos vies. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la guérison de ceux qui sont malades. Merci pour le soutien de ceux qui ont besoin de toi durant cette semaine. À toi la gloire, à nous la paix et la joie. Allons dans la communion du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen.